Un Tunisien recherché en Europe, décrit avec un maillot de l'Algérie. Un adolescent tunisien de 17 ans, détenu pour vol à main armée à la maison d'arrêt de Bonneville en Haute-Savoie, a réussi à s'échapper lors d'une visite médicale à l'hôpital. Sa fuite a déclenché une vaste opération de recherche avec l'aide de dizaines de gendarmes, un hélicoptère, des chiens de pistage et un drone équipé d'une caméra thermique. Bien que le parquet d'Annecy considère le fugitif comme non dangereux, un appel à témoins a été lancé à l'échelle nationale, fournissant des détails sur son apparence, y compris le port d'un maillot vert de l'Algérie et d'un survêtement noir. Le jeune Tunisien est sous mandat de dépôt criminel pour des faits de vol avec armes, et un mandat d'arrêt européen a été émis par le juge d'instruction. La procureure de la République, Lynn Bonnet, a confirmé la diffusion du mandat d'arrêt au niveau européen. L'appel à témoins précise que le fugitif, mesurant environ 176 cm, a une pointure de 42, a été vêtu d'un maillot vert de l'Algérie. La procureure a souligné que l'évasion s'est produite lors d'une information judiciaire pour des faits de vol avec armes.